When a country is in crisis, it's a big test for political leaders. How they respond can be the making of them or the end of them. That's what Australia's Prime Minister is discovering right now. You from the media, tell the Prime Minister to go and get from Nelligan. Par les incendies en Australie. Les orages ont en effet éclaté le mercredi 15 janvier au soir dans l'état de Victoria et des précipitations ont eu lieu les jours suivants dans l'état de Nouvelle-Galles du Sud. Les orages ont dissipé le nuage de fumée toxique provoqué par les incendies et ont ainsi amélioré la qualité de l'air dans l'état de Victoria. Mais ce que les incendies ont fait, la pluie ne peut le défaire. Le bilan des incendies qui ravagent le sud-est de l'Australie est provisoire mais est déjà désastreux. Des milliers d'habitations détruites, 28 morts humaines, 10 millions d'hectares de forêts brûlées et 1,25 milliard d'animaux tués. Alors certes, les feux de forêt sont fréquents en Australie, ils constituent un fait inhérent au territoire et se déclarent lors de l'été austral entre décembre et février. Mais l'ampleur et l'intensité de ceux déclenchés fin août sont quant à eux sans précédent. En effet, l'année 2019 a été l'année la plus chaude et la plus sèche enregistrée depuis le début des relevés en Australie. Si cette saison, les incendies ont eu plusieurs mois d'avance avec une telle intensité, c'est parce qu'ils ont bénéficié d'une conjonction de facteurs naturels, à savoir des températures records, 49,9 degrés à Nul Harbor en Australie méridionale le 19 décembre, ce qui constitue un record mondial de chaleur pour le mois de décembre, une grave sécheresse. L'année 2019 a été l'année la plus sèche en Australie avec 40% de pluie en moins par rapport à la moyenne, et le vent qui pousse l'air chaud généré par la flamme sur les plantes avoisinantes. Mais si ces facteurs sont naturels, leur intensité relève du dérèglement climatique. En effet, l'Australie est particulièrement impactée par le réchauffement global de la planète, puisque la température moyenne ne cesse d'augmenter depuis plus de 50 ans. De même, durant la même période, le déséquilibre de température du dipôle de l'océan Indien est plus régulièrement positif et atteint des valeurs records. De fait, le dipôle de l'océan Indien, qui désigne la différence de température entre la partie occidentale et la partie orientale de cet océan, a connu fin 2019 une phase positive intense, ce qui signifie que la température de l'océan Indien est plus élevée à l'ouest, du côté de l'Afrique, qu'à l'est, du côté de l'Indonésie, ce qui provoque des épisodes chauds et secs en Australie et des pluies diluviennes en Afrique de l'Est. Les climatologues s'accordent ainsi à dire que la sécheresse et les températures records qui accentuent ces incendies sont dus au dérèglement climatique. Pourtant, le gouvernement conservateur de Scott Morrison, premier ministre australien, continue de défendre la très polluante industrie du charbon. Et pour cause, puisque le pays est le premier exportateur mondial de ce minerai et que cette industrie fournit des emplois dans des circonscriptions électorales clés. Climato-sceptique notoire, Scott Morrison est au pouvoir depuis 2018, réélu miraculeusement selon ses propres termes lors de l'élection fédérale de mai 2019 face au parti travailliste donné favori, il ne fait pas l'unanimité. De nombreux Australiens lui reprochent notamment ses liens étroits avec l'industrie minière, ses prises de position, ou encore son refus de prioriser les considérations environnementales avant les intérêts économiques. Depuis plusieurs mois, il semble sous-estimer la catastrophe et se retrouve en tout cas complètement dépassé par celle-ci. Mi-décembre déjà, alors que le feu ravageait toujours plus d'hectares, il est parti en vacances à Hawaï pour fêter les fêtes de fin d'année en famille. Et malgré l'indignation et l'incompréhension ambiante, il n'a donné aucune nouvelle et ce n'est qu'après le décès de deux pompiers volontaires qu'il est rentré en Australie. Quelques jours après, il s'est rendu dans un village ravagé par les flammes en Nouvelle-Galles du Sud. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas eu un bel accueil. Nah, you're an idiot, mate. You really are. You're never getting any votes down here, buddy. You're an idiot. Who votes liberal around here? Nobody. No liberal votes. You're out, son. You are out. Good night, Nina. See you, mate. Bye. What about the people who are dead now, Mr. Prime Minister? What about the people who have nowhere to live? Ces images illustrent toute la défiance qu'ont développée les Australiens pour le gouvernement et pour sa gestion de la crise. C'est seulement lors de sa conférence de presse du 3 janvier qu'il semble prendre la mesure de la gravité de la situation. Il y annonce l'appel à l'aide à d'autres nations et la réquisition de 3000 réservistes de l'armée australienne. Petite bourre là encore, il ne prévient pas le principal concerné, le chef des pompiers de Nouvelle-Galles du Sud, qui apprend la nouvelle dans la presse. Aujourd'hui, alors que les scientifiques s'accordent à dire que les incendies que connaît l'Australie depuis fin août sont particulièrement virulents et précoces, du fait notamment du réchauffement climatique, le Premier ministre Scott Morrison, lui, refuse l'hypothèse de revoir la structure économique du pays. Selon lui, un virage économique ne serait pas une solution envisageable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en Australie. Il qualifie même d'irresponsable l'idée de suppression de l'industrie minière.
Notons que l'industrie minière australienne représente un tiers des exportations mondiales de charbon. Alors on est en droit de se demander si Scott Morrison a encore une crédibilité à occuper son poste et si sa position de ministre n'est pas menacée. A priori, il n'a aucun souci à se faire puisqu'il est quasiment impossible qu'il se fasse révoquer par sa propre majorité. Il dirige une coalition composée du Parti libéral et du Parti national, deux partis conservateurs qui n'iront sûrement pas leur bêtise sur le terrain d'écologie. De plus, l'instabilité gouvernementale a quelque peu traumatisé les Australiens. Depuis 2016, le pays a connu 6 premiers ministres, parmi lesquels seulement 2 sont arrivés au pouvoir à l'issue d'élections. Alors que l'Australie est dotée d'un système politique de démocratie représentative, qu'elle est la deuxième économie mondiale et qu'elle connaît une croissance ininterrompue depuis 1991, elle s'est révélée incapable de protéger ses habitants, sa faune et sa flore. Ces dernières abritent pourtant des espèces uniques au monde, déjà menacées par l'agriculture, l'industrie et l'implantation résidentielle qui fragmentent l'espace naturel. Si l'Australie est habituée aux feux de brousse, cette fois leur intensité et leurs étendues ont brûlé les arbres jusqu'au houppier, c'est-à-dire la partie supérieure du branchage, et ont couvert de larges zones, ce qui a rendu impossible la fuite pour nombre d'animaux. Notamment pour les koalas, animaux emblématiques de l'île continent déjà menacés d'extinction avant les incendies. Lorsque les feux se déclarent, ils ont en effet le réflexe de monter au sommet des eucalyptus dans lesquels ils vivent, ce qui les expose aux fumées et aux flammes. Un tiers d'entre eux aurait ainsi péri en Nouvelle-Galles du Sud, ce qui représente 8000 koalas sur une population de 28 000 individus. Ces incendies menacent de disparition de nombreuses espèces de plantes et d'animaux, puisque selon l'écologue et directeur de recherche au CNRS Franck Courcham, 4 animaux sur 5 en Australie ne vivent qu'en Australie, notamment le wallaby, le kangourou, le koala ou encore l'ornithorynque. Le gouvernement australien a fini par débloquer 6 millions d'euros pour aider à leur sauvegarde. Mais dans le temps, il a aussi décidé de tuer plusieurs milliers de dromadaires, estimant que ces camélidés consommaient trop d'eau. La catastrophe ne s'achève pas avec ces incendies. Les précipitations abondantes survenues dans l'est du pays ont elles aussi été mortelles. De fait, la pluie a emporté les débris carbonisés dans les rivières. Les cendres, qui diminuent la présence d'oxygène dans l'eau, ont alors intoxiqué et tué les poissons et menacé d'autres animaux comme les tortues d'eau douce et les ornithorynques, ces derniers ne supportant pas les eaux à température élevée. Cet épisode australien n'est ni le premier, ni le dernier. Il nous invite à repenser le système politique et économique dans lequel nous vivons, avant que toutes les forêts ne brûlent, que tous les océans se vident, et qu'il ne nous reste plus rien à pleurer, si ce n'est tout.